Yep, pas tout le monde, bienvenue dans la catégorie entreprendre, voilà. Alors, j'ai souhaité faire un bref récapitulatif, en fait, des déclarations fiscales associées ou à votre choix des régimes, à votre choix de régime d'imposition, pardon. Si vous choisissez, par exemple, de prendre le statut micro-entreprise, donc micro-BIC, voire, donc vous allez utiliser, en fait, l'imprimé fiscal 2042C, c'est-à-dire que vous allez porter directement le montant brut du chiffre d'affaires sur votre déclaration personnelle de revenus, donc en utilisant l'imprimant 2042C ou en accédant directement au site internet impots.gouv.fr. Si vous avez choisi le régime d'imposition au regard du réel simplifié, dans ce cas de figure, vous devrez fournir des déclarations normalement avant le 1er avril de chaque année. Si vous êtes une entreprise qui relève de l'impôt sur la société, vous pourrez procéder par télédéclaration et télépaiement obligatoire. Vous utiliserez également l'imprimé 2065 plus 2050 à 2059G. Si dans le cadre du réel simplifié, vous êtes une entreprise relevant de l'IR, vous utiliserez dans ce cas de figure l'imprimé 2031-2033 de A à G. Maintenant, si vous avez choisi le réel normal, dans ce cas de figure, vous procéderez de la même manière que le réel simplifié, c'est-à-dire que vous opérez en réalisant vos déclarations en principe qui sont à fournir avant le 1er avril de chaque année. Si vous êtes une entreprise relevant de l'impôt sur la société, vous pourrez réaliser votre télédéclaration et télépaiement obligatoire. Puis vous utiliserez l'imprimé 2065 à 2050 à 2059G. Si vous êtes une entreprise relevant de l'IR, vous utiliserez l'imprimé 2031-2050 à 2059G. Voilà pour la petite présentation simple et qui se voulait brève. Voilà. Allez, si je dis juste un point particulier, dans le cadre de la micro, les inconvénients majeurs, je dirais, c'est que faut voir si c'est avantage ou opportunité. Vous n'allez pas récupérer la TVA, ça fonctionne par forfait. Également pas de déclaration de déficit possible. Si vous êtes dans le réel simplifié, dans ce cas de figure, vous aurez une obligation comptable qui va être un peu plus rigoureuse. Si vous êtes dans le réel normal, bon alors là par contre vous aurez des obligations portables beaucoup plus importantes et très très rigoureuses et un formalisme très lourd associé à tout ça. Et qui dit formalisme lourd, dit nécessité de passer par des tiers de confiance, avocats, experts comptables et autres. Donc voilà, ça va engendrer des frais supplémentaires, mais il me semble qu'il est possible parfois de déduire ces frais de tiers, en fait, dans le cadre de votre structure. Donc, regardez ce qu'il est possible de faire. Voilà. Allez, je clôture le sujet. Y est pas, on entreprend. Y est pas, on se bouge. Y est pas, on augmente la qualité de nos vies et on essaie de résister à cette petite crise économique. Voilà. Pour en tirer la majeure partie, plein d'opportunités et mettre de côté, voilà, ou essayer de transformer les désavantages et les risques. Allez, je vous dis à bientôt et y est pas la vie est belle. Bisous, prenez soin de vous surtout.